Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel dans comment faire pour avoir les emojis iOS, les emojis d'iPhone sur un Samsung de type Android 9. Donc je sais pas si ça marche sur les autres types de Samsung ou sur les autres types de téléphones. En tout cas ce tutoriel est spécialisé pour les Samsung de type Android 9. Donc déjà vous allez commencer par cliquer sur le lien que je vous ai mis en description. Ça va vous mener donc ici, vous cliquez sur Download pour installer l'application. Donc ensuite, ça va vous installer l'application, tout ça. Une fois que l'application est installée, donc elle s'appelle Winx Phone Samsung, donc elle est juste ici. Donc vous allez cliquer dessus. Donc au début, ça va vous faire un truc, il faut brancher le PC, ne le faites surtout pas. Il faut, donc au début, ça va pas vouloir rentrer, etc. sur l'application. Ne paniquez pas, il suffit de refaire plusieurs fois et ça va rentrer. Donc vous cliquez comme ceci, comme ça, donc ça va vous faire sortir un truc ici, donc vous cliquez sur « No ». Ensuite vous cliquez sur « Apple iOS 12.1 ». Donc vous cliquez ensuite ici donc pour installer. Donc moi je l'ai déjà fait. Ensuite donc il faudra patienter un petit peu, ça va nous faire sur un lien pour installer l'application. Donc pour installer l'application, le thème de l'application sont le brancher sur PC. Voilà, donc ça va vous faire, voulez-vous installer une mise à jour pour cette application? Donc vous allez cliquer sur installer, moi ce n'est pas la peine. Donc ensuite, ce que vous allez, ça va vous faire, c'est que vous allez faire Open Theme Store. Donc vous allez cliquer sur Winx Phone comme ça. Donc au début si ça va pas vous faire, ne paniquez pas aussi, c'est normal. Donc vous allez faire plusieurs fois. Ensuite vous allez cliquer sur essayer et ça va vous le télécharger. Ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez redémarrer votre téléphone. Donc vous allez cliquer comme ceci sur redémarrer. Ensuite, vous allez donc, après que votre téléphone est redémarré, vous allez partir sur les paramètres. Vous allez partir aussi sur affichage, comme ça. Vous allez cliquer sur taille et style de police. Vous allez cliquer sur police. Et là, donc là, ça sort pas, mais ça va vous sortir. Moi, ça me sort pas, mais ça va vous sortir ce qui est écrit ici, donc emoji iOS 1, 2, 1. Donc vous allez cliquer dessus et vous aurez les emojis d'iPhone. Donc là, ça marche normalement sur Instagram, sur Snapchat, j'ai pas essayé, mais normalement, ça doit marcher. En tout cas, ça marche très bien, donc surtout le téléphone, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai montré. Donc j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à la liker. Et surtout, donnez-moi votre avis dans les commentaires si ça marche, si ça marche pas, etc. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et à la prochaine.